invité pour vous, Marty McFly a interviewé Clara Jones. Bonjour, ben voilà, on va faire l'urban boxing de Los Santos avec le Barplage Fight Club. Donc en fait, ça va se dérouler dans une cage. Je vais avoir 8 combats et jusqu'à la fin, le dernier gagnera un cash prize de 100 000 dollars. 16 participants, un seul vainqueur. Et oui, là on a le carré VIP, venez, je vais vous montrer. Ici, on a un petit carré VIP. On a une vue imprenable sur la cage. C'est incroyable la vue, hein. Quand on se rapproche de la cage, en fait, les gants sont dans chaque coin. On a un carré bleu et un carré rouge. Et j'aurai Marie qui fera le start des combats. À 1, 2, 3, prenez vos gants E. Et c'est 5 rounds de 30 secondes. Alors la cage, des fois, nous fait des surprises. Et il y a un petit bandeau lumineux, en fait, électronique, qui affiche le gagnant. Mais c'est une information erronée. C'est pour ça qu'on aura 3 juges physiques pour déterminer qui sera le gagnant. Il y aura un comptage de points au point, ou par KO, ou par abandon. Avec des petites règles, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. La première chose, c'est que les combattants ont droit à 5 bandages maximum sur la totalité du combat, à eux de gérer, et avec 3 grosses interdictions. Interdit de s'accroupir pour esquiver les coups, interdit de s'allonger et interdit de courir. Et comme on n'est pas en MMA, il est également interdit de porter un coup à la nuque. Et là-bas, il y a la salle d'entraînement et les vestiaires. Quand j'étais en Europe, j'organisais régulièrement des urban boxing et ça plaisait énormément. Là, on a des sacs et puis là, on a des petits agrès pour s'entraîner. Et là, on a le coin infirmerie pour les blessés. Et moi aussi, je m'entraîne, alors je ne vais pas combattre ce soir. Hop, j'ai enlevé ma voiture. Ça m'arrive également de m'entraîner. J'adore cet agrès. Pas si vous en faites un peu, mais c'est incroyable. Allez, je vous montre. Hop. Allez, hop, hop. Oh, je vais pas tenir 5. Oh. Enfin, voilà. Voyez-vous, c'est incroyable. Effectivement. Alors, on a un favori. A priori, ça serait Poubelleman. Voilà, je lui ai demandé son nom de combattant. Il m'a dit, je voudrais m'appeler Poubelleman. Je lui ai dit, pas de problème. Je lui ai demandé une seule condition pour qu'il participe au combat, c'est qu'il se soit lavé avant. Pour pas qu'il y ait tricherie et qu'il fasse tomber dans les vapes pour mauvaise odeur son adversaire. J'espère qu'il y en aura d'autre part qui seront pas dopés. Ça, il y aura éventuellement, s'il y a suspicion, des bilans qui se feront sur place, bilan au moins d'urine, par le docteur Doudou Luc. Voilà, on aura Robert Dier, François Moreno, Pintero, Mauro Adias, Regina Cartel, Juan Davis, Otis Riva, Poubelleman, Waino, Alain Flelou, Nia de la Taga, James McAvoy, Angel Rosales et Miguel Rosales, ainsi que Matt Buckner et Chuck Taylor. Merci Clara, c'est donc ici même qu'aura lieu le match ce soir. C'était Marty McFly, à vous les studios.